Hello, bienvenue dans la 11e leçon du cours Les bases d'Excel. Nous commençons la partie sur les formules. Nous allons ici aborder les calculs simples. Nous avons vu que nous pouvions saisir des données dans Excel. Nous pouvons également effectuer des calculs grâce aux formules. Nous écrivons une formule par cellule. Chaque formule commencera par le signe égal. Occasionnellement, nous pouvons remplacer le signe égal en début de formule par le signe plus. Mais prenons plutôt l'habitude de commencer par égal. Nous pouvons écrire une addition. Égal 25 plus 31. Nous cliquons sur Entrée ou Tab pour valider la saisie. Nous pouvons également écrire une soustraction. Égal 55 moins 86. Une multiplication, égale 128 fois 4. Une division, égale 512 divisé par 64. Pour écrire une puissance, nous utiliserons l'accent circonflexe, égale 5 puissance 5. Au lieu d'écrire des nombres directement dans nos formules, nous pouvons utiliser des valeurs inscrites dans notre classeur. Nous avons donc la valeur 25 en cellule B2, et la valeur 31 en cellule B3. Nous pouvons écrire une addition en utilisant les références des cellules. Égal B2 plus B3 est validé. Ainsi, si nous modifions la valeur de la cellule B2, le résultat de notre formule s'actualise automatiquement. Dans la prochaine leçon, nous parlerons des références des cellules. N'oubliez pas de cliquer j'aime si vous avez apprécié cette vidéo. C'est ce qui m'aide à faire connaître la chaîne. Et pensez à vous abonner pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me contacter en commentaire ou via le lien que vous trouverez en description. À bientôt!